Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la montée de cette crypto-monnaie. Est-ce que cette crypto-monnaie va continuer de monter? Elle a déjà fait plus de 1000% en 24 heures, oui. Est-ce que cette montée va-t-elle continuer ou va-t-elle s'arrêter? L'analyse dans cette vidéo. Nous allons aussi parler des informations sur la SEC américaine. Nous allons parler de Binance. Nous allons parler de la Corée du Sud, d'accord? Nous allons parler des traders. Mais comme vous le savez très, très bien, avant de continuer cette vidéo, je vais vous parler de l'échangeur BitGet. Les gars, vous vous rappelez ce qu'on a dit dans la vidéo précédente? Il ne faut pas avoir un seul et unique échangeur. Si vous avez seulement BitGet et d'autres échangeurs, si vous n'avez pas encore... Vous n'êtes pas encore sur l'échange BitGet, profitez de l'occasion, de l'opportunité que BitGet est en train de vous offrir en donnant des frais zéro. J'ai dit frais zéro tous les mercredis, comme vous le savez très bien, pour ceux qui achèteront les crypto-monnaies avec leur carte de crédit. Nous savons très bien que pour faire l'achat des crypto avec la carte de crédit, les frais sont exorbitants. Dépendant de la localité dans laquelle tu es, tu peux acheter ta crypto-monnaie avec l'échangeur BitGet ou les nouveaux projets qui sont en train d'être listés avec plus de 140 monnaies fiduciaires dont fait partie l'euro, le dollar canadien, le dollar brésilien, le dollar australien. Et je ne sais pas si dans la zone France CFA c'est possible aussi. Et vous pouvez acheter de façon instantanée. Tu achètes une crypto-monnaie, aussitôt acheté avec la carte de crédit, aussitôt reçu sur l'échangeur. Donc, je dis et je répète encore une chose. Mes frères et sœurs, profitez de cette opportunité-là. Profitez de cette opportunité-là que l'échangeur BitGet est en train de donner à ses clients dont tu feras partie. Si tu n'es pas encore client de BitGet, clique sur le premier lien en description de cette vidéo ou le deuxième lien. Tu verras le lien de l'échangeur BitGet où tu pourras simplement et facilement créer ton compte, faire le KYC. Attention, le KYC est important, d'accord? Si tu n'as pas encore fait le KYC, alors tu seras obligé de le faire avant de pouvoir avoir la main nécessaire pour utiliser quoi? Pour utiliser l'échangeur en question. D'accord, donc comme vous le voyez très bien, nous allons continuer cette vidéo lentement et sûrement où nous allons parler de cette information. Ah les gars, franchement c'est chaud. Quand je dis c'est chaud, c'est vraiment chaud. Regardez ce qui se passe, regardez ce qui est en train de se passer actuellement. On dit les traders ont été liquidés, sur la descente du Bitcoin actuellement. Les gars, nous sommes en train de voir le jeu de zigzag que le Bitcoin est en train de faire. Et dans ce jeu de zigzag, certaines personnes sont en train de perdre énormément leur argent. Énormément. Surtout ceux qui font le trading quoi? Le trading futur. Ils sont en train de perdre énormément. C'est pourquoi il dit, le trading futur, tu peux être formé ou pas formé. Pour ceux qui veulent apprendre le trading futur, dans notre cours, nous apprenons le trading futur. Mais il faut être prudent. Il faut être très, 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 très prudent parce que dans le trading futur, si tu ne sais pas faire, tu vas casser tes tampons, tu vas casser ta caisse. Donc, le Bitcoin qui est descendu, qui montait à 37 000 $ et qui est descendu à 35 000 $ a liquidé beaucoup de personnes. Et maintenant, est en train de repartir à 37 000 $. Les gars, c'est chaud. C'est hyper chaud. Nous allons parler de cette information-là concernant Binance, les gars. Oui, concernant Binance, nous sommes en train de voir que, comme vous le voyez avec moi ici, que Binance a lancé un échangeur en Thaïlande en partenariat avec un géant local dans le système énergétique. Les gars, Binance aujourd'hui a des problèmes un peu partout. Mais cela n'empêche pas Binance, je dis bien, cela n'empêche pas Binance d'évoluer. J'apprécie le sens de Binance, surtout de ses responsables qui cherchent tant bien que mal de manger dans ce marché-là. Bien qu'on essaie de leur mettre les bâtons dans les roues, eux, ils font toujours de leur mieux pour, en quelque sorte, manger vivant pour ne pas toujours être mangé vivant. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de voir que Binance est en train de grandir ses ailes. Les aides de Binance sont en train de grandir. Oui, ça veut dire simplement que Binance n'a pas encore dit son dernier mot. Binance n'a pas encore dit son dernier mot. Depuis que la SEC américaine est en train de donner des coups secs, je dis bien, des coups secs à Binance, oui, mais Binance continue d'évoluer dans certains pays. Oui, continue d'évoluer dans certains pays comme la Thaïlande où elle a, en quelque sorte,
mis en place voilà, une base. Où est Pétain mettre une base en 2024? Qui parle de 2024, vous savez ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai dit, les crypto-monnaies là, c'est vraiment une question de manipulation. Si tu n'es pas encore prêt dans cet écosystème, ne rentre pas. Si tu n'es pas prêt psychologiquement, tu vas te casser les tampons, tu vas te casser la tête. Franchement, tu vas réellement te casser la tête. Nous sommes en train de voir que la SEC américaine qui avait un délai au cours de cette semaine est en train de repousser les ETF. Les ETF sont en train d'être repoussés. Nous avons vu BlackRock qui dit non. Elle a demandé les ETF sur Ethereum, sur Bitcoin. Tantôt dit non, BlackRock n'a pas demandé les ETF sur Ripple. Tantôt dit qu'elle a demandé. De toute façon, tout cela, ça fait partie du jeu. Il faut ce genre de jeu pour rendre le riche plus riche et malheureusement appauvrir nous les pauvres qui sont restés sans formation, qui ne veulent pas en quelque sorte comprendre comment fonctionne ce marché des crypto-monnaies. Franchement, parce qu'il y a certaines personnes, ils ne veulent pas comprendre, mais eux, ils veulent juste acheter et vendre. Moi, je trouve ça un peu triste, de voir qu'il y a certaines personnes qui, tant bien que mal, n'arrivent pas à comprendre avant d'acheter. Oh, ils n'arrivent pas à comprendre. Alors, donc, je continue. Nous allons parler. Oui, ceux qui ont regardé cette vidéo-là, oui, c'est quoi dit? Cette vidéo-là, crypto-monnaie inarrêtable, va brûler des zéros dans quelques jours. Oui. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'une crypto-monnaie. Que ceux qui ont regardé, c'est la suite. D'accord. Alors, cette crypto-monnaie va-t-il continuer sa montée? La montée va-t-elle continuer ou va-t-elle s'arrêter? Où en est-elle en ce moment? Nous allons parler de cela. Et je tiens à dire une chose. Il y a certaines personnes aujourd'hui, aussitôt la vidéo vue, où acheter? Les gars, formez-vous d'abord. Quand je parle de formation, les gens pensent que c'est du jeu. C'est du jeu pour ceux qui comprennent déjà ce jeu. C'est du jeu pour ceux qui comprennent. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous allez toujours acheter. Déjà, les gens demandent le smart contract. Mais il y a eu une autre analyse qui a été faite dans notre groupe VIP. Nous avons fait une autre analyse totalement complète dans le groupe VIP. Malgré ça, certains qui ont voulu prendre le risque. Après, chacun est libre. Mais après avoir écouté l'analyse qu'on a fait dans le groupe VIP, tu es libre de prendre la décision qui te semble appropriée. Et là-bas, nous avons montré où acheter, comment acheter, les précautions nécessaires à prendre. Mais toi qui es ici sur ces chaînes, tu n'es pas dans ce groupe, tu rates beaucoup de choses. Et tu vas continuer toujours de rater beaucoup de choses. C'est pourquoi c'est important de faire partie de ce genre de groupe. Parce que quand tu investis dans les crypto-monnaies, investis pour adhérer des groupes où ce n'est pas gratuit, où c'est payant. Alors, clique sur le deuxième ou le premier lien en dessous de la vidéo. Tu vas voir ce formulaire. Il y a déjà plus de 1494 personnes qui ont rempli ce formulaire. Et tu peux me contacter sur +228 96 04 48 07. Ce numéro est WhatsApp et Telegram. Mais nous sommes plus sur Telegram, d'accord? Mais plus le 555 11 95 28 09 597, elle est uniquement sur Telegram parce que nous voulons donner le privilège à Telegram, uniquement à Telegram. Donc, mon frère et ma soeur, tu peux te joindre à nous le plus vite que possible afin de comprendre. Tout à l'heure, on va encore t'expliquer certaines choses. Est-ce que la montée va continuer? D'abord, c'est quoi le projet? Le projet, c'est le projet BFE. Le projet BFE, c'est le projet, le même coin, d'accord, du projet Breeze. Du projet Breeze, d'accord. Et les gens se disent, ah oui, comme ça fait avec le token fee, ça fera pareil. Alors, nous sommes déjà sur leur compte Twitter et nous sommes en train de voir que le nombre d'abonnés déjà sur leur compte Twitter ne cesse d'augmenter, d'accord. Et ils ont déjà leur smart contract ici. J'ai montré, là j'ai pris le smart contract. Hein? Il y a certains qui ne savent même pas où acheter. Les gars, formez-vous. Ceux qui sont déjà formés, c'est très bien. Alors, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Et avec la nouvelle actualisation de Trust Wallet, il y a certains qui achètent, qui ne voient même pas le prix, qui paniquent, peut-être ils ont acheté le photo. Que les gars, c'est ce que je dis souvent, la formation est importante pour te tranquilliser. Parce que dans le groupe VIP, ceux qui posent toutes les questions ont une réponse appropriée. C'est ça. C'est pourquoi c'est important d'être dans ce genre de groupe. Parce que toutes les questions qui sont posées ont une réponse. Même si tu ne veux pas poser la question, tu peux venir dans mon inbox sur les deux numéros que j'ai donnés.
hein, pour venir vers moi afin que je puisse te donner un support personnalisé. Un suivi personnel, c'est important. C'est important. Alors donc, la monnaie BFE a été lancée et nous sommes en train de voir cette monnaie-là actuellement. Regardez. Regardez, la monnaie a été lancée. On prend sur le graphique d'une journée, d'accord? Pendant ces 24 heures, la monnaie a été lancée. Et nous sommes en train de voir qu'elle a fait combien, hein? Plus de 1800%. Elle a commencé de zéro, je peux dire presque, hein, de zéro ici. Et aujourd'hui, elle est à combien? Aujourd'hui, hein, voyez, elle a commencé de zéro presque ici. Et aujourd'hui, elle est à ce prix-là, d'accord? À 0.0040 après la virgule et 6. Et les gens se disent, ça va remonter, ça doit remonter, ça doit... Il y a certains qui se disent, ça doit remonter, les gars. Le marché fait ce qu'elle veut. Le marché des crypto-monnaies fait ce qu'elle veut. Il y a certaines personnes qui ont acheté ça ici. À 4.0 après la virgule 8. Actuellement, c'est à 6. Va-t-elle redescendre? Peut-être que oui. Elle a déjà touché 0.40 après la virgule 4. Va-t-elle redescendre encore? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je remarque quelque chose, les gars. Je remarque encore quelque chose. Quand nous voyons, les gens disent, non, je ne vois pas sur ce market cap. Les gars, c'est sur quoi market cap? Mais le prix ne peut pas, le prix ne s'affiche pas pour le moment. Ça pousse le prix sur PancakeSwap, le V3. D'accord? Et cette monnaie-là est listée uniquement où? Sur PancakeSwap. Uniquement sur PancakeSwap pour le moment. Aura-t-elle d'autres listings? Je crois bien que oui. Cette monnaie aura d'autres listings. Et les gars, l'analyse que je suis en train de faire pour c'est important pour ceux qui sont en train de suivre. Et mieux encore, on a vu l'épisode avec Floki. Avec Floki, on n'a pas eu tout ce. On a eu un tohu-bohu. Mais qui a répercuté sur Floki. Floki qui est monté, hein, à un bon niveau. Et les gens mangent encore vivant dedans. Et Floki qui est aujourd'hui en train de redescendre. Parce qu'il faut staker les Floki pour gagner le token fee. C'est le même processus que Breeze est en train de faire. Il faut en quelque sorte staker le Breeze pour gagner le BFE. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans le FOMO du BFE. D'accord? Nous sommes déjà. Et le projet Breeze, vous allez voir, ils sont hyper actifs. Eh oui, le même coin de Breeze, les articles vont commencer. Attention, les articles vont commencer par sortir. Get.io sûrement, qui est en train d'organiser, hein, en quelque sorte, un giveaway de $5,000. Hein, avec, voilà, Breeze. Et ils vont, en quelque sorte, attirer l'attention des investisseurs. Mais comme vous le savez bien, on a déjà dit ça une fois dans nos... comment on peut le dire? Une fois... ici en disant simplement le FOMO, hein, le FOMO, la peur de perdre l'opportunité fait perdre beaucoup d'argent aux mauvais investisseurs. Mais aux bons investisseurs, c'est le moment de gagner et de gagner. Le FOMO normalement c'est une porte de sortie, pas une porte d'entrée. Parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir que le projet semble en train de corriger. Vous voyez, elle a commencé de rien, hein, 6-0 après, oui, 6-0 après la virgule, elle est actuellement à 4-0 après la virgule. Cette montée, vous allez voir que cette montée n'est pas éternelle. Ou cette descente ne serait pas éternelle. Nous sommes en train de voir un volume actuellement, hein, de plus de $552,000. Hein, $552,000. Hein, et la liquidité bloquée qui est de 16 000 $. Donc, nous sommes en train de voir et ils sont plus sur la blockchain Binance Smart Chain. Et pour le moment, ils sont listés uniquement et simplement où? Sur PancakeSwap. Ils vont sûrement gagner d'autres listings. Je crois pertinemment qu'il y aura d'autres listings qui seront gagnés par cet échange. Vous voyez, actuellement, elles sont uniquement listées sur PancakeSwap. Comme Get a déjà, en quelque sorte, lancé un airdrop, peut-être ils peuvent faire un airdrop aussi avec Get ou pour lister le BFE. Et les gens vont se dire, ça va monter, ça pourrait monter, comme ça pourrait toutefois descendre. En crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal. Moi-même qui vous parle, c'est des suppositions, ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient dit qu'ils n'ont pas lancé de monnaie. Maintenant, comme ils ont vu que Floki a fait la même chose, ils veulent faire la même chose. Ils ont lancé leur monnaie. Et ils sont en train, hein, de nous dire simplement que oui, il y aura beaucoup... Hein, le marketing qui va se faire, ils vont faire un marketing agressif en ce sens-là concernant le nouveau projet, le nouveau même coin de BFE. Et comme vous l'avez, il y a 804, il y avait 801 tout à l'heure, maintenant c'est 804. Nous sommes en train de voir que le nombre, hein, de personnes
hein, qui ont commencé par suivre hein, cette tendance-là. Ils ont même un site, les gars. Ils ont même un site. Hein, un site où ils parlent plus hein, de ce buffet coin-là. D'accord? Où ils sont en train de parler plus de ce buffet coin-là, de ce buffet token-là. Donc, ils disent simplement, pour le moment, c'est sur PancakeSwap que tu peux l'acheter. Ils sont en train, en quelque sorte, d'expliquer, en quelque sorte, leur initiative hein, qu'ils sont en train de faire. Et regarde le smart contract. Ils vont être listés, attention, sur aussi hein, Ethereum. Ils vont mettre une blockchain en place sur Ethereum, d'accord? Et un smart contract sur Ethereum. Ils n'ont pas encore communiqué le smart contract d'Ethereum. Ils vont aussi mettre en place hein, un smart contract sur leur propre blockchain qui est BitJet Network et un network aussi. Donc, ils sont en train d'expliquer comment, hein, les gars, lisez un peu, s'il vous plaît, lisez un peu. Et il n'y a pas grand-chose à part ça pour le moment. La communauté viendra, d'accord? La communauté viendra, la communauté Twitter. Donc, c'est maintenant qu'ils sont en train de créer et ils sont en train de prendre un peu les images de Pépé hein, pour se lancer dans cette optique-là. Hein, les gars, dans cette optique-là. Qu'elle va-t-elle donner concrètement ce projet? Comme vous le savez, nous allons rester toujours focus pour vous dire ce qui pourrait arriver hein, au moment venu. Donc, abonne-toi à cette chaîne-là et tu vas avoir les bonnes informations de façon analysée, claire et nette pour savoir s'il faut rentrer, oui, et comment il faut rentrer, oui, combien, avec combien il faut rentrer. Viens te joindre à nous dans notre groupe VIP en remplissant ce formulaire ou en nous contactant simplement sur WhatsApp. Hein, WhatsApp seulement sur le numéro plus 208, mais on est rarement là-bas. Mais contactez-nous plus sur Telegram en enregistrant ce numéro-là sur, dans vos contacts. Alors, on va parler rapidement d'une information qui semble être capitale, mais qui donne de l'espoir et de l'espérance dans le quotidien de la crypto-monnaie. C'est quoi cette information? C'est la Corée du Sud. Le fonds des pensionnaires de la Corée du Sud a mis hein, presque 20 millions de dollars pour acheter les actions de Coinbase. Attention, les actions de Coinbase. Coinbase, d'abord, c'est l'échangeur qui a des actions dans, voilà, dans le marché traditionnel. Hein. Et nous sommes en train de voir que oui, s'ils mettent ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare avec Coinbase. Donc, comme tu le sais, prépare-toi au pire et espère le meilleur. Parce que en crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal. D'accord? Et au même moment, nous sommes en train de dire, il y a le live aujourd'hui, comme vous le voyez très bien. Le boulon a commencé. Tes crypto-monnaies en danger. Certaines personnes préfèrent acheter des crypto-monnaies au lieu de sécuriser là où se trouve leur crypto-monnaie ou sur le dispositif sur lequel se trouve leur crypto-monnaie. Nous allons encore parler de cela dans ce live aujourd'hui. Comme dans 4 heures de temps, moi je fais cette vidéo sûrement après, à 19h GMT, d'accord? Donc active la cloche de notification pour être notifié quand le live va commencer. Mon frère, ma soeur, tu attends quoi pour nous rejoindre vite tout à l'heure dans notre groupe fermé pour apprendre et découvrir plus? On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.